Salut gang, bienvenue à ce match du Clash of Types, mon premier match en carrière dans Clash of Types. Je suis très excité, on affronte un bon joueur en startant en plus. J'affronte Lil J avec mon équipe électrique. J'ai pris le relais de l'équipe électrique récemment. Et voilà, j'ai fait des transactions, on m'a laissé des transactions là pour comme Clash of Type là, ça consiste à avoir 10 Pokémon électriques, donc à chaque semaine on affronte un type différent. Dans le fond j'ai 10 Pokémon en single, c'est du 6 contre 6, le droit à Gigantamax. Moi tristement, mes options étaient quand même assez limitées, avec Toxtricity et Pikachu. Fait qu'on était allé avec Toxtricity. J'ai une équipe, ma foi, très offensive, ça va être difficile de varier mes tirs et choses. Ouais, les joueurs du direct, ouais, c'était vraiment, j'ai vraiment de la misère, parce que dans le fond, je suis sur un portable et j'ai juste 3 prises USB. Puis je peux pas prendre ma souris, fait que j'ai quand même des gros doigts. Fait que des fois, je misclique. Puis là, j'ai eu un problème avec mon setup au début, fait que c'est pour ça que genre ma scène n'était pas correcte, c'est pour ça qu'on a recommencé. Normalement, je l'ai joué sur un gros écran, mais là, on va être sur la petite. Fait que, voilà. Le plan de match ici, j'ai quand même une équipe que je peux me setuper. Là, on parle ici avec Pinchurkin, je peux setter le Electric Terrain pour Raichu, et je peux setter le Sand pour Dracozolt avec Sand Rush. L'ancien joueur n'avait pas cette combine-là, par contre. Il y avait d'autres excellents Pokémon aussi, mais Heliolisk est capable de setter le Sandstorm. Et même chose pour Lantern, il est capable de setter le Hail pour Arctozo. Donc j'ai ces Pokémon-là dans mon équipe. Et voilà, fait, on a un double dip cette semaine. Contre Jay, on l'affronte deux fois. On l'affronte contre les Jay plutôt. On l'affronte deux fois, c'est-à-dire en QPL les singles. Komoro. Pour être honnête avec vous, j'ai pas relé de calque pas à tout pour ce match-là. Je me suis vraiment focusé sur le subscribe, les gens qui ont manqué l'annonce. Dans mon bot, si vous subscribez à mon channel, vous pouvez choisir. Parce que là, qui ne savent pas, dans mon bot, on peut gêner les Pokémon. Et en subscribant, vous pouvez désormais mettre votre nom de dresseur dessus. Fait que je vais y aller avec Toxic Spike, tiens. Ouais, j'ai fini le Movember un peu, Clangoroso. On va essayer, là, il va se booster pas mal, j'aime pas trop ça. Par contre, on va être plus rapide après. Logiquement, puis ça y enlève de la vie, donc. Le feu a pogné. Ouais, ben moi j'utilise Slush Rush. Et Sand Rush. Je trouvais que Dracozolt est beaucoup plus puissant. J'y vais-tu de Memento? Ou de Rising Voltage? Parce que là, après ça, j'ai quand même un focusage dessus. Je vais aller dans Rising Voltage. Ouais, ben, c'est parce que les deux, je trouve ça tannant. Drain Punch, mon dieu. C'est à ce que je suis nord. Drain Punch, mais ça fait tellement rien. Pourtant, il y a un boost, non? Ok, fait que je pense que je vais juste. Mais ouais, on s'est rasé. Le Movember est terminé. Le boss a parlé. Fait que c'est ça. Le boss était tanné de la barre. On dirait que je vais aller d'un autre. Je vais aller de Spice, tiens. Je vais me setter. Il me laisse l'occasion. Le Drain Punch, je me stresse pas vraiment. Je pense pas que. Comme Clangoroth. Clangoroth Soul, et ça fait. Je pense que ça fait x2, hein? C'est ça que je fais, là, il me laisse faire. Écoute, je vais essayer d'avoir une paralysie, je sais pas trop. Je sais que j'ai le terrain extender. J'aurais pu faire Memento ici, là. Mauvais pli de ma part. J'aurais dû faire Memento ici. J'aurais coupé sa spéciale attaque un peu pour Raichu plus tard. Ça m'a l'air d'être un combo quand même bulky pour le damage qu'il fait. Plus un partout. Ok, alright. D'un coup, il fait un autre move qui se bouge, je sais pas trop là. On va checker voir ce qu'il fait. Je veux comme pas trop. Je veux qu'il me tue aussi. Je veux pas brûler trop mon. Hey, on a 10 personnes. C'est quand même immense pour lundi. Merci, gang. J'aime votre vague d'amour. Oh mon dieu, yes. Ok, je vais canceller son.
Je joue tellement jamais Como, là. Tu sais, moi, je joue quoi en double? Attack Rose, Defense Rose, tout monte à grandeur. Ok, ouais. Speed Rose. Tout monde mais il perd la vie. Ok. Tout le monde, mais je perds la vie. Fait que là, t'as un mec, il est x2, il est pas plus rapide que Raichu, ça c'est certain. J'aurais presque dû l'idée avec Eliolish, j'aurais pu y faire un Dragon Claw après. Ok. En tout cas, là, on a cancellé un petit peu. Ça commence quand même mal pour de vrai. Ah, j'ai Psychic, s'il reste un fight. Moi, je compte le type fight, Asti. J'suis-tu greedy puis j'y vais dans un nasty plot? J'ai un faux que tu saches. Mais il y a des moves prioritaires dans le back. Fait que c'est pas ça vraiment que je veux. Je pense que Psychic va connecter quand même du damage intéressant. J'ai hâte de voir. On va scouter un peu. Ça fait absolument rien. Earthquake. Ok, ouais, son lead comme haut fait mal, hein? Ok, j'ai presque le goût de s'être un Reflect avant de mourir. Calice, hein? Pas bien mon affaire, ça va crissement mal. Ok, on va chunk du damage. Je dois avoir un move prioritaire quelque part, là. Ou pas. Je sais pas, je connais vraiment pas le type électrique. Ouais, c'est ça, ouais, je connais vraiment pas le type électrique. Je sais pas. Puis tu sais, honnêtement, on dirait que j'ai moins de sentiment d'appartenance un peu vu que je prends le relais d'une équipe qui a été abandonnée. La fin, c'est qu'il va être plus vite que moi partout. J'ai tellement rien pour le tuer. Là. Il est deux fois plus vite que moi. Il y a Earthquake, c'est pas ça l'objectif. Hein. Je pense que... J'ai pas le choix de faire ça. Je suis en train de me faire sweeper. Je connais pas mon type pantoute, pour de vrai. C'est de la pratique, je suppose. Hein. Je vais aller dans un Sandstorm. Après ça, je pense que Dracozo peut vraiment à tout sweep, là. Train punch. Non! Oh oui! Je vis au moins. Je vis, c'est ce qui est intéressant. Je vis. Mais ouais, tu sais, je veux dire, quand je fais la QPL singles, je mets beaucoup plus de temps, je mets beaucoup plus d'efforts aussi dans mes calques et tout. Tu sais, là, j'ai pas fait de calques. C'est vraiment un format que je joue pour le fun. Là. Ok, là, son combo, il est quand même dans un range de. Il était plus rapide que moi, hein. C'est quand même bad. J'aurais pas ce qu'il a dû y aller d'un glare puis après ça Sandstorm, mais je pensais pas que j'allais vivre. Drain Punch, il miss? Ça se miss ça? Ben non, Drain. Hein? Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Drain Punch a raté ici? S'il vous plaît. Pourquoi Drain Punch a raté? Ah c'est vrai, j'ai Sandville. J'ai pensé à ça, j'ai mis Sandville, c'est vrai. Calice, t'as bien raison. Electro Web, on va baisser son speed un peu. Allez, Eliolisk! Ça fait absolument rien. Imagine, il rate encore. Est-ce qu'on rate on baisse son speed un peu? Ben, punch. Ok. Dracozo, je suis content que ça soit mort. C'est vrai, mon boy est à l'affût certain. Ouais, je me rappelle, j'ai mis Sandville exactement pour ça. Tantôt, je me suis dit, si je mets Sandstorm, j'aurai une chance d'esquiver. Les autres habiletés faisaient pas vraiment sens. Moi-même, il y a juste mes deux de l'occupation que je fais mes cartes. Ouais, ça va quand même beaucoup de temps. La fin qui fait chier, c'est que je vais être lock dans. J'aurais dû mettre un Life Orb. Genre, mon équipe marche comme pas, là. Ice Kobo. Parce que là, s'il fait Earthquake, je meurs, là. Ben, je veux pas être lock dans Dragon Claw. Il y a plus de def. SP def plus 2. Mais moi, je suis bended! Il est presque fini. J'y vais avec Bull Beak. Je me lock dans Bull Beak. Ça tue pas. J'aurais dû y aller dans le Dragon Claw. C'était vraiment... Oh oui! Je suis vraiment chieux. Extrêmement chieux ici. Extrêmement chieux, les amis. Il me reste 4 tours de Sandstorm. C'est énorme. Je vais pouvoir chunker. Je vais sûrement Oko toutes ces autres Pokémon. Je vais probablement au coup tous ces autres Pokémon. Je m'excuse, Seb, j'ai vraiment été chu. Ben, quoique j'ai quand même amené Glare sur un Eliolisk, qui c'est quand même pas fréquent. Yes! Je te montre comment faire, mon boy Rico. Merci encore infiniment
pour les cadeaux. Genre, je suis vraiment touché. C'est vraiment wow. Ok, là, son Blaziken, il va sûrement protect. Je m'en fous. Possible, ça, je vais être brisé ici. Je suis plus rapide, ça, c'est certain. Fait que là, on va essayer de chunker le plus de damage possible dans notre 4 tours. Qu'est-ce que j'aime pas avec cette équipe-là, c'est que... Ah, c'est ça. Il faut vraiment comme capitaliser sur... Faut vraiment capitaliser sur, mettons, Dracozolt ou Arctozolt ou Raichu. Faut vraiment se setuper pour que l'électrice soit efficace. En tout cas, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Il nous reste quand même 3 tours ici. Là. Speed Boost, on va être encore plus rapide. On a notre vitesse qui est doublée, dans notre cas avec le Sand. On va y aller un Bulbeak. Allez, Dracozolt, il va mourir, c'est certain. Alright. Il me reste 2 tours maintenant. 2 tours, 3 tours. Après ce combat-là, on est censé avoir Emerick, qui était censé être à 20h. J'ai un giveaway également de Mewtwo, japonais, qui provient du film de Zoroark, le 13e film de Pokémon. C'est quand même un Pokémon, ma foi, rare à avoir là, dans son équipe. J'ai aussi Smiley, qui veut se faire... elle veut pas que je l'oublie. Ben, je vais prioriser mes combats de Ligue avant, évidemment. Après ça, on fera les combats de gym, là. J'ai un gym Fairy. Des combos monotypes. Après ça, je vais faire du ladder en singles. Celui-là qui est allé au vendredi pompette, j'étais invaincu. J'étais invaincu dans mon ladder. C'était vraiment hot, là. Ok. On a quand même remonté la pente, là. Quand même. Il y a pas un ground dans son équipe, lui, hein. Ok, fait que ça va faire mal à crissement tout le monde, là. Il est tank, mais je suis ben dead. Je suis beau big, puis j'attaque en premier. Fait que ça chunk beaucoup de damage. Charge Dance, il est greedy. Seb est greedy en plus. Il aurait peut-être dû chunk du damage. Ok, ouais, là, il était plus. Beware pas plus rapide que moi, par exemple. Je pensais qu'il me restait un autre tour de Sandstorm. Ok, fait que là. On va y être Bulby. Je suis luck là-dedans. Je suis censé être plus rapide, à moins qu'il soit Scarf, mais il a fait Charge Dance. Fait que ça me surprendrait. Alright. Dracozolt qui fait une solide job. Malheureusement, on n'a plus de Sand. Fait qu'il peut envoyer un Pokémon plus rapide que moi, je vois le sac, c'est pas vraiment un problème. C'est pas vraiment un problème. Je rappelle que dans le Clash of Types, pour les gens qui savent la première fois qu'ils me voient faire ça, puis qui connaissent pas ça, on a le droit à un item. Genre, un item unique. Probablement un Heracross Choice Scarf ici. Je m'attends à ce qu'il soit Scarf. Ok. Ok. Il me reste pas grand chose, hein. Chercheuse. On va envoyer Chercheuse, tiens. Je vais garder Dracozo pour plus tard. Je pense qu'il doit être Scarf pour de vrai. Avec Moxie, sûrement. S'il fait le quick, ce serait hilarant. Oh oui, yes. Je m'attendais à voir ça. Ok, alright. Je vais prendre pour acquis qui est Lock dedans. Je vais prendre pour acquis qu'il y ait Choice Scarf. Ok? Fait que je vais vraiment être risqué. Je vais vraiment risquer. Je vais y aller à un Nasty Plot ici. D'après moi, il y a Choice Scarf. On va le savoir tout de suite. Il est Leftovers. Je l'ai même pas vu. Ok, il est Leftovers. Je l'ai même pas vu. Ben, je suis max HP. J'ai aucun speed. Ouais, tu viens. Ben, il y a un petit décalage. Nasty Plot. Ok, je suis vraiment greedy. Ah, bref. Je vais le nuker au prochain tour. Rock Blast, ça n'a même rien fait. Mon Rotom qui est max HP, ça paraît. J'ai aucun speed dessus. Allez, Rotom! J'ai-tu une Berry dessus au moins? J'ai une Life Orb, je suis bien malade. Je suis pas peu heureux, Honesty. On est dans un Thunderbolt. Je veux pas qu'Hydro Pump miss. Rock Blast, il miss en plus. Il est pas chanceux. Seb, j'ai vraiment la look à soi. Alright. Ben, il s'augure bien, finalement. J'ai vraiment eu un début de merde. Son Komao était vraiment problématique. Son Beware était vraiment tanky, man. Un Choice Bend, Bold Beak, d'un... de Dracozolt. Ça fait mal, là, normalement. Il a survécu. Fait que c'est ça. Pour les gens qui ont manqué la nouvelle, je le répète encore une fois, tous les gens qui sub à mon channel Twitch reçoivent la possibilité de changer le nom des Pokémon qui gênent. C'est quand même assez incroyable.
Scrafty. Scrafty, Scrafty, Scrafty. C'est pas un Pokémon qui me fait peur, pour de vrai. À moins qu'il fasse genre Dragon Dance. Je vais juste... Je suis vraiment chicken, je veux pas... Je veux chunker du damage. Je suis vraiment chicken, je veux pas qu'il fasse... Je veux pas miss mon Hydro Pump. J'ai réussi à bien sortir quand même. On mène 3-2. Match, ma foi, offensif. Ouais. Ben, Raikou, on a donné des cadeaux à tout le monde. Genre random. Puis, mon compte de... Mon deuxième compte de cellulaire, là. Ben, tu sais, je me suis fait... J'ai suivi ma chaîne, il m'a donné un followers de plus. Puis genre, ça m'a donné... ça l'a donné à moi. C'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Fait que c'est ça. Les gens qui sont intéressés par... Je suis plus rapide en plus. J'ai aucune investissement en speed. Aïe, aïe, aïe. Alright. On est dans un decent spot. Dragon Dance. Ouais, Seb est vraiment greedy, là. Genre, il se booste en avant de ma face, pareil. Alright. Tantôt, le Sword Dance avec le Beware devant. Mon Dracozo de Bandit. Qui je suis plus rapide quand même. À moins qu'il y ait Sucker Punch, mais je devrais pas mourir. Drain Punch. Ah oui, là, il est plus rapide que moi. Ok, Chasseuse qui est vraiment bulky. Chasseuse qui était dans mon équipe quand même la saison 2 en QPL. Fait que gros job de Chasseuse pour de vrai. Tristement, j'aurais pas de speed pour Machamp dans le back. On va quand même chunker un tour de G-Max. Là. On va survivre ce tour-là. Alright. Il me reste qui, là? Il m'en reste 3, 2. On dirait que je suis tellement pas là. Hein. Même pour un mec, on dirait que je suis tellement pas prêt. J'ai l'impression que j'ai précipité mes matchs quand même. Bon, fait que Machamp, il va peut-être y aller dans un bullet punch. Je pense pas que ça me tue par contre. C'est ça qui était dans la tête, ouais. Et il me reste Eric Lapointe, puis. Ok, mon Bull B va plus rapide que son Machamp. Ça, c'est intéressant. Sans le savoir, j'ai fait un bon play tantôt. Ok, on y a un Thunderbolt. On y a un Thunderbolt. Bullet punch. Je m'en attendais. Je m'en attendais. Bon play de sa part. Je meurs pas en plus. Ça, je pensais pas mourir, je suis vraiment bulky, je suis full XP. Ok, ça fait mal. Alright. Grosse win de notre part, la chercheuse qui fait sa job. De victoire de 2-0, gang. On gagne notre premier match de Clash of Type avec mon fabuleux type électrique. Allez, merci à Seb pour t'avoir libéré pour moi. Je savais que tu pouvais pas, c'était pas facile. Toujours un bon match contre toi, mon chum. Puis merci beaucoup. Merci à tout le monde qui a regardé la vidéo. Il va y avoir définitivement plus de contenu sur le Clash of Time sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite à subscribe pour activer les notifications sur YouTube. Je vais également mettre le lien dans mon Discord dans la vidéo, puisque j'en parle pendant le combat. Alors, merci à tous. Et voilà, merci d'avoir visionné le combat. Ciao!